Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans, je sais pas trop quoi, bienvenue dans mes vacances. Bienvenue en vacances, j'espère que vous profitez agréablement de vacances. Bienvenue dans Nintendo Fan calé comme ça, car si vous vous souvenez, dans Nintendo Fan il y avait la promesse de faire à la fois du Mario Maker mais aussi le fameux tournoi de Mario Kart 8. Aujourd'hui, eh bien, c'est le fameux tournoi de Mario Kart 8 que nous allons faire avec, d'ici quelques instants, à 16h très exactement, c'est-à-dire dans 10 minutes si vous nous regardez, eh bien, le début du tournoi jusqu'à 17h. Alors, le tournoi, ce sera du 150cc, tout ouvert, avec le premier DLC. J'ai dû couper la poire en deux. Je me suis rendu compte, et vous êtes peut-être déjà en train de voter, que eh bien peu de gens avaient le DLC hein, de Mario Kart 8. Regardez ça hein. Si on note ici grâce à l'application Twitch les votes du public, on se rend compte que c'est 50-50 entre ceux qui ont les DLC et ceux qui n'ont pas les DLC, avec une prédominance pour ceux qui n'ont pas acheté les DLC de Mario Kart 8. Ce qui me fait encore plus dire que, eh bien, ça sera pas un luxe d'avoir Mario Kart 8 de luxe. Non seulement Mario Kart 8 s'est pas vendu à cause d'un parc de consoles pas spécialement très important, mais en plus, la moitié des possesseurs de Mario Kart 8 n'ont jamais acheté les DLC. C'est quand même assez, j'ai envie de dire, normal. Et du coup, comme les DLC, c'était quand même 30 balles juste les DLC, hein. On a vu un jeu complet avec tous les DLC à l'intérieur. Mais 80 personnes, c'est quand même relativement représentatif. Et vous pouvez continuer de voter. Et vous allez voir que les votes s'orientent même plus vers... pas les DLC, tu vois. C'est quand même ça... c'est quand même ça le truc, hein. Dans ce vote. C'est ça qu'on remarquera tout de même. C'est assez important. Bref, je vais faire une petite partie news. Du coup, vous avez le code du coup du tournoi qui se trouve juste ici. Donc dépoussiérez vos Wii U, hein. Voilà, dépoussiérez vos Wii U et faites ça. Évidemment, ne prenez pas les DLC. Ce serait complètement stupide. Le jeu sort dans 20 jours. Voilà, même pas 15 jours. Hein, 18 jours. 17 jours. 17 jours, allez pas dépenser de l'argent dans les DLC. Le jeu il va sortir sur Switch. Prenez-le plutôt sur Switch. C'est normal. Encore le truc du pixel, t'es sérieux? Mais en fait, il ne me règle jamais le. C'est incroyable. Je suis obligé de repasser le bitrate en 4000 tout le temps. Sinon, il ne me règle pas en 4000. Il faudra que je règle ça. Voilà, normalement, le bitrate devrait être revenu en arcado perfecto. Ah, des news intéressantes, hein. Des news très intéressantes cette semaine, puisque aujourd'hui a été un grand jour, puisque c'est le jour de la date de sortie de Dragon Quest 11. En effet, on a enfin la date de sortie de Dragon Quest 11. Ce sera le 11 juillet prochain que le jeu sortira. Logique, hein. Dragon Quest 11, 11 juillet. Voilà, on aura donc en plein dans les vacances et pas à la fin de l'année. Le jeu qui sort sur PS4 et 3DS au Japon seulement. Mais alors peut-être un espoir de voir arriver ce Dragon Quest d'ici la fin de l'année chez nous. Un espoir peut-être un peu difficile, mais regardez. Persona 5 n'a pas mis tant de temps que ça à arriver chez nous. Bien entendu, il n'a été localisé qu'en anglais. Après, la puissance de Nintendo, vous la connaissez d'un point de vue des trades, c'est du sérieux. Et ouais, et c'est violent. Alors là, vous voyez la version 3DS, donc la version la moins violente, qui, je dois bien vous avouer, à mon sens, n'aura d'intérêt que pour jouer en mode full rétro. Parce que d'après les plans que je vois, et il y a un autre trailer qui vous montre version 3DS face à version PS4, c'est quasiment les mêmes scènes, les mêmes trucs, les mêmes machins. Là, on présente tous les persos, hein. Mathilda, Lo,
tous les persos qui vont composer donc ce Dragon Quest 11. Ce qui va être intéressant dans cette version de Dragon Quest sur 3DS, voilà, ça va être surtout d'y jouer en mode Dragon Quest 4, Dragon Quest 5, dire en mode ultra classique, même mode Dragon Quest 2, hein, même, je dois bien vous avouer, avec les combats à l'ancienne EX. Bon, sachant que les combats seront quand même au tour par tour de façon un peu stylée hein, sur Dragon Quest. Beaucoup plus stylé d'ailleurs qu'en 2D. En 2D, c'est vraiment un trip rétro hipster assez prononcé. Donc c'est Day One. Et en plus, alors bon, ça c'est pas une news Nintendo, mais ils vont ressortir la manette Slime qu'ils avaient sorti pour Dragon Quest 8 sur PlayStation 2 et qu'ils n'avaient jamais ressorti. D'ici là, voilà, Dragon Quest 11, ça arrive donc le 11 juillet, date de sortie officielle de ce qui est déjà un événement national au Japon, quand même assez extraordinaire pour le marquer, l'histoire d'un héros visiblement dont le royaume s'est fait attaquer mais qui a été sauvé d'extrémis à la dernière frame et qui revient pour se venger et récupérer un tout petit peu son droit, on va dire, et va rencontrer des tas de compagnons stylés au cours de sa quête, récupérer comme dans Dragon Quest 3 les orbes de pouvoir afin d'accéder au royaume perdu avec l'épée de légende, hein, l'épée de Roto, un classique de Dragon Quest. Le voilà. En gros, l'histoire d'un roi qui va devoir retrouver la place dans son royaume. Tel sera le pitch de Dragon Quest 11, sans les musiques évidemment parce que sinon, eh bien, ça casse les oreilles, mais qui est quand même juste là. Notez-le, c'est très important que Nintendo Direct aura lieu, eh bien, très bientôt, hein. C'est le 12/4/2017. Alors, en vérité, le véritable Nintendo Direct, c'est plus le... C'est entre le 12 et le 13. Donc ce sera plus le 13 pour vous dire la vérité. Voilà, un Nintendo Direct qui sera concentré du coup sur Splatoon et ARMS, avec très probablement l'annonce des dates de sortie de Splatoon 2 et de ARMS, avec aussi probablement les annonces de tout le contenu de ARMS, dont on n'a encore quasiment rien vu, et des annonces sur d'autres choses, qui sait peut-être, ont-ils réservé la date de sortie de la version Switch de Dragon Quest 11, car la version Switch est bel et bien encore d'actualité pour ce Nintendo Direct. Nicalis qui a confirmé que Binding of Isaac Rebirth arriverait bien à 40€ dans nos étagères en boîte. C'est fait, ils ont signé un partenariat avec un fabricant allemand qui va leur faire les versions boîte des jeux Switch et de tous les jeux de Nicalis. Ensuite, on connaît maintenant la taille que fera Mario Kart 8 Deluxe si vous avez l'intention de le télécharger sur le store. Il sera de 6,75Go. Prévoyez donc quand même un peu de place si vous désirez vous faire le jeu en démat sur votre console. Voilà pour les news. Je rappelle hein, le lobby du tournoi hein, qui est juste là. Et on va donc passer au tournoi qui va débuter d'ici quelques frames. J'ai plus qu'à baisser ça. Je monte ceci. Je me remets dedans. Je mets full jeu. Unbelievable! Regardez ça. Si c'est pas la méga hype, écoutez-moi ce son. Donc le code pour entrer dans cette JVTV Cup, eh bien, c'est 0-1-3-4-9-1-1-2-2-6-3-5. Voilà, dépoussiérez-vous Wii U, revenez là-dedans, allez-y, foncez. C'est un tournoi qui accueille juste le premier DLC, puisque certains ont que le premier DLC. Pour tous ceux qui n'auront pas les DLC, ce que l'on fera, c'est un deuxième tournoi. Ce coup-ci, ce sera un tournoi 200 CC et sans les DLC. Voilà, tout simplement. Là, on est en 150 CC pour tous ceux qui ont joué à Mario Kart. Et ensuite, on se retrouve avec un tournoi sans les DLC. C'est un peu con. Mais bon, en gros, les règles du tournoi, c'est tous les 4 courses, on change pour que vous puissiez tourner dans le lobby, pour que chacun puisse m'envoyer des carapaces rouges dans la gueule. Pas d'IA, et puis autant de courses que l'on veut. Et à la fin, c'est celui qui a marqué le plus de points qui gagne. Au nombre de courses
Au nombre de courses. Manette Switch plus Zelda à 95 euros chez Cdiscount. Ah, j'ai vu que Cdiscount envoyait des 270 euros pour les Switch. Des prix assez imbattables. Qui sont quand même là. Le online lag pas. Alors moi, je suis planté en... Je suis planté en... Comment... En câble. Hein. J'ai branché ma Wii U par câble. Ça n'est pas une rediff, car comme tu le vois, le « c'est une rediff » point d'interrogation arrive juste ici. Il n'y a pas que des rediffs hein, sur JVT, il n'y en a même quasiment pas, pour vous dire la vérité. C'est assez dit la baleine. Suffit de voir le chat quand même qui s'affiche. T'arrives, tu dis plus bonjour, tu demandes si c'est une rediff. Tu dis même plus bonjour, salut, c'est une rediff. Allez, il est 16h, c'est parti. Le tournoi pourra commencer. Alors je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le tournoi n'importe quand. Le tournoi est fermé, mais vous pouvez tout de même affronter d'autres joueurs. Non, il est ouvert le tournoi. Il est ouvert mon gars. Allez. Ah, il est peut-être pas 16h encore. Non. Je vais faire B. Je vais faire back pour revenir. Ah voilà, là il est ouvert le tournoi. Participez. Je prends part, oui. C'est bon. Ah, oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au Game U. C'est violent. Alors, mon perso, c'est donc qui? Ouah, mais qui c'est qui m'a pris ces cartes du mal absolu, là? Ouah. Moi, je veux passer ces cartes de chiasse. Donnez-moi mon carte. Donnez-moi mes roues. Est-ce que je prends des lisses ou est-ce que je prends des moins lisses? Là-dessus. Ouais, en accélération, je suis à 2. Non, je vais prendre des lisses quand même. Pour la vitesse de pointe. Et je vais me placer là-dessus. Impeccable. Je suis bien. Je suis. Bonne chance à tous. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que sur le Twitch... Enfin, sur le comment... Sur l'application Twitch, sur le lobby JVTV, vous avez le code du tournoi qui s'affiche. Je vais quand même vous l'afficher ici. Ça joue déjà. Oh, ils ont pas eu le temps, ils ont lancé la première course avant même que je puisse commencer. Voilà, JVTV Cup, je vais vous le mettre là. Ah! Comme ça, vous pourrez rejoindre quand même. Même si vous avez raté le début. Ok, donc la première course a déjà été jouée, ils ont pas le temps. Hein. Il y a des Morton antivirus. Aléatoire, mon gars. Voilà, on est tous là, c'est parfait. Le lobby est rempli. Bonne chance à tous. Ouais, je joue avec les spectateurs, là. Tous les 4 parties, il y a les lobbies qui tournent. Waouh, ça se déco et ça revient. Waouh, ça se déco et ça... Waouh, ça se déco. Il y a des décos. Donc vous avez hein, sur la JVTV Cup hein, le tournoi juste en bas. Je pense que si t'étais pas à la frame, tu vas rater les premiers circuits. Donc qui avons-nous dans ce lobby? Dubeduche, Francis Chisky, Science B, H.C. Darkle. Je crois que je ne sais même plus comment accélérer dans le jeu. Je crois que je ne sais même plus faire de boost. C'est parfait, on est bien. Impeccable. C'est tellement bon. Oh là, mais la vitesse du jeu n'empêche. On est toujours pas en 200 cc en plus. Oh, les mecs ils tirent. Tiens, prends ça. Oh, ça c'est gratuit. Je passe ici. Youhou. M'approche pas, je te dis. Toi non plus, toi. Reste là-bas pour la science. Non. C'est de la triche, c'est de la triche. Donnez-moi des pièces. Ok, grosse accélération. Hein. Je suis cinquième, c'est la merde. Ah bah oui, bah bien sûr. Bombe, bombe, bombe. Allez, c'est parti. J'envoie ça parce que ça, c'est des virages compliqués. Ah! Virage compliqué, je suis quatrième, mais où est-ce qu'ils sont partis? Ouah, y a Morton, il fait son training, il joue tout seul. Il joue tout seul. Y a un mec qui a décidé de jouer tout seul là-haut.
Oh putain. C'est tellement chaud. Donnez-moi un peu de place. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Oh, et pourquoi c'est lui qui a l'éclair? Sans déconner, il est devant moi, c'est impardonnable. Des pièces, merci. Quatrième, est-ce que c'est bien? Ça n'a pas l'air. Oh, ça a l'air complètement zéro, quatrième. Oh, pas la banane, décor, 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 décor. Oh, toi, t'es mon pote, toi. Toi, je sens que t'es mon pote. T'es sérieux que t'as bleu? Je sens le dépassement. Je sens le dépassement de dernière minute. Non, troisième. Impeccable. Ouf. Non, troisième, je ne suis pas zéro. Comment ça, troisième ex-aequo? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de troisième ex-aequo? Oh, par contre, Darkel, lui, il fait son... Darkel, lui, il a joué au jeu. Hein. Il a complètement joué au jeu. Il fait son time attack, il en a rien à battre. Il s'en bat tellement les steaks. Il en a tellement rien à foutre. Allez, on est rejoint par Linkbew et Titoufab. Il est tellement collé. C'est ça le premier, il joue pas au même jeu. Tu vois, il s'amuse pas, hein. Morton antivirus avec le F0, ça c'est les gars qui veulent pas s'amuser au jeu. Les gars qui veulent pas s'amuser au jeu, ils jouent ça. Je le rate le boost là? Non, c'est bon. Ouais, tu vois, oh là là. Il fait des boosts. Oh là là, ouais. C'est un mec du time attack ça. Oh, il a collé sévère. C'est vous, laissez-moi passer. Zéro, je suis tellement zéro. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Ok, impeccable. Une pièce, deux pièces, trois pièces. Non mais t'es pas sérieux. Oh mais regardez la distance à laquelle il est, Morton. Ça ne va rien dire. Et qu'il est parti devant. Il a fait hopping hopping. Et on l'a plus jamais revu. Il a récupéré toutes les pièces devant tout le monde. Il ne joue pas au même jeu. Alors que nous, nous sommes plutôt serrés hein, quand tu regardes bien. Donnez-moi de quoi revenir. Come back. Voilà. Ça, c'est de la merde ce que je viens de faire. S'il vous plaît. Quatrième, c'est bien nul. Oh, il a pris comme c'est dommage. Salut, je suis 3. Je crois que c'est ma position officielle. Hein. Yohan Verdier de 3. Où c'est vous? Ah, une étoile. Ça peut être utile. À pas claquer n'importe comment. Non, non, j'entends des trucs qui brillent. Ça me plaît pas. Des trucs qui brillent, ça me plaît complètement pas. Et il est tellement dur à optimiser cette map. C'est sérieux? Je repasse. En mode Oda. Oh, c'est tellement dégueulasse. Non, poussez-vous, non. Ah, c'est bon, oui, non. Oh putain. Si, je crois que je vais passer devant quand même. Pour la science. Bon, bah, on a Darkel qui joue tout seul hein. Cette étoile qui se termine pile poil à la frame d'avant la piste. Est-ce que tu crois à ça, toi? Pile poil. Pile poil. Et j'ai pas peur. Vous pouvez toujours rejoindre le tournoi hein. C'est Open Bar Mitzvah. Allez-y, ça y est, on est 16 dans le lobby. On va bientôt changer de toute façon. Pile poil. Quand même fou.
Allez les gars, hein. Salut. Si tu pouvais valider le dernier là. Il y en a un, il s'est endormi sur sa Wii U. Il s'est perdu dans la poussière. Non mais c'est là où on voit que si t'es bon à Mario Kart 8, tu vois, t'es devant. C'est les mecs qui ont collé et ils ont collé. Qu'est-ce qu'on attend? On attend toujours les mêmes, quoi. Bonne chance, putain. Oh là, le mec, il est infini à attendre. S'il vous plaît, restez courtois. Restez courtois. Je vous en prie. Je ne lance pas une razzia contre quelqu'un. Qu'est-ce qu'on attend? Bah, je sais pas. On... Ah, voilà, ça y est, on attend qu'un mec, il dorme. Ça y est, c'est... C'était Krakou. Oh là, on est beaucoup là. On est beaucoup, hein. Là, y a plus de... Y a plus de cachette. Y a plus de cachette. Oh, puis en plus, c'est la pire course. Oh, quelle merde. Oh là là. Quelle chiotte. Démarre. 1, 2. Oh là là, oh là là. Et c'est la pire course de l'histoire de Mario Kart. C'est la pire course, c'est la pire course de l'histoire de Mario Kart. J'ai toujours pas de pièces. Poussez-vous, 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 poussez-vous. Non. Je m'écarte. Je mets ma crotte au cul. Oh là là, il m'a défoncé la gueule malgré la crotte au cul. Pièce, pièce, pièce. Poussez-vous avec vos premiers skis là. Je ne veux pas voir, poussez-vous. Non, tiens, prends ça, toi. T'apprendras à envoyer des carapaces rouges. Je suis zéro, je suis zéro. Non, 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 Link, 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 Link. Pas ça, pas à moi, Link. Pas à moi, tu me fais pas ça à moi. Oh, j'ai raté la pièce. Oh, merci de me donner le champignon, il y a des mecs sympas quand même. C'est la pire course et Morton est toujours devant. Tiens, je vous crache à la gueule. Voilà, comme je crache aux viewers de JVTV, moi, c'est comme ça. Ok, il faut des pièces. As soon as possible. S'il te plaît, s'il te plaît. Je donne pas ça, j'en veux pas. Moi, je veux un autre item qui fait des trucs. Voilà, comme ça par exemple. Parfait. Quatrième, c'est pas si mal. Pourquoi j'ai rien récupéré? Oh, Don Kusei. Ouh. Non, 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 non. Pièce, 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 pièce. Vite. Oh, t'es sérieux? Non. Je suis... Ah, j'ai mal. Item et vol. Vol. Qu'est-ce que c'est que cette bombe de merde? Mes vacances ruinées. Mes vacances ruinées. Mais non, mais j'étais pas à cette place là. Mais j'étais pas à cette place là. J'étais bien meilleur que ça. Et puis c'est le drame. Et puis est arrivé le pire. Non mais j'étais plutôt bien là, non? Comment ça, ça joue tellement mal? Oh, commencez pas à juger vous, hein. D'où ça joue mal? J'ai pris une carapace dans la gueule et juste à la fin je suis mort. Viens faire le tournoi. Viens qu'on se tape. Monsieur, ça joue mal. Non mais oh. Parlez bien. Putain, mais le Morton d'en face là, il est tellement over 9000. 3, 2. Allez, là j'ai toutes mes chances, vous allez voir. Je pars quand même avec 5 pièces. C'est quand même pas mal de base. Voilà, petit boost. Oh là là, putain. Voilà, je pars vraiment pas trop mal, c'est ça qui est bien.
vous plaît. C'est vous. C'est vous, madame. En harmonie. Plus vite. Il faut tellement que je sois mieux. Alors, normalement, avec ces champignons, on peut faire de belles choses. Ouais, des trucs comme ça. Gros cut. Ouah, il a pris ça. Je ne suis pas responsable, j'en ai rien à foutre. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai boosté là, connard? Crasseux, titoufable. Aïe! Ah, j'ai utilisé deux champignons comme un cancre là humain. Tiens, crache à la gueule, moi. Oh non, mais pas la bleue. T'es sérieux? Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Putain, mais il joue tellement tout seul, Dark Lab, là. S'il vous plaît, quelque chose d'utile. Merci. Ceci est normalement quelque chose d'utile. Vite, vite, vite. Non, pas sur la trajectoire du boulet. Pas sur la trajectoire du boulet. Plus vite. Poussez-vous, madame. Cinquième, c'est pas mal. Oh, j'ai de quoi booster à la fin. Il s'est battu toute sa vie pour faire une vieille 5ème place, il est content. Attends, je suis vraiment 5ème là? T'as déjà 46 points. C'est pas mal. Oh, il est tout seul. Il est tout seul, il fait le speedrun du jeu. Mais c'est bon, au bout de 4 courses, on change. Donc allez dehors les speedrunners là, poussez-vous. Laissez-moi faire mon tournoi. les mecs ils speedrun. Non, on est sur Wii U, hommage. C'est le Nintendo fan hommage. Nintendo fan hommage. Ok, on se retrouve à moins, c'est normal. Mais c'est pour tout le monde pareil. Ouais, pff, il est over 9000. Le mec, il a optimisé la frame du jeu. Ah, ils sont encore en match. C'est logique. Quand on change, généralement, on peut pas avoir tous les matchs. Alors, est-ce que je peux avoir une vision Ok. Donc, en première place, on a Mr. Mango dans ce lobby qui joue Harmony F-Zero. Le F-Zero, hein, le meilleur vaisseau, hein, probablement. Mais il faut jouer Morton. Faut jouer un méga lourd. Et le moins gros des méga lourds, ouais, Morton, c'est très bien. Il a pas l'air d'être spécialement inquiété. En deuxième place, on a Voilife. Oh, s'il est juste derrière, il tente une retombée. Oui, oh, c'est tellement bien joué. Oh, c'est tellement bien joué avec le gros Mi Sonic. Oh là 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 là. Oh là là, ce vol. Ce vol. Ce vol. Notez que une fois le sondage, là je sais pas si je peux reprendre le sondage, mais. Est-ce qu'il était encore là le sondage? Et d'après le sondage. Il y a quand même plus de gens qui ont pas le DLC que de gens qui en ont. Oh, Haché Manu, oh, du coup, il y a toute la team Haché qui est là. Lui aussi, à mon avis, il va partir en time attack. À mon avis, les mecs, ils partent en time attack. C'est chaud. Ok. Le White Yoshi de Nintendo 64, ça va, c'est une map assez cool. Après, les gars, on va jouer en 200cc. Alors, je sens qu'il y a des mecs. Ah, je sens qu'il y a...
Il y a tellement des mecs déjà à 31 points. Putain, je suis à 17, je vais terminer combien moi? Pff, allez, courage, c'est parti. J'y crois à mort. Pouette, pouette. Waouh, mon départ était bien pourri. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Rien là-bas, t'entends? Et voilà, si je suis premier une fois dans la course, je suis premier. Oh là là, les mecs ils prennent les vraies trajectoires pour optimiser les pièces. Tu vois, lui il a pris la trajectoire de ce stage pour avoir toutes les pièces. Pièces, 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 voilà. Bon bah là il y a 10 pièces. Donc maintenant faut le booker, sinon bah. Ah, un petit raté! Un petit raté devant moi, un petit raté malencontreux. T'es sérieux avec ta moto? Ça s'appelle Mario Kart ici. Merde, 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 merde. Hop là, moi je balance, tiens. Faites pas les malins. C'est le jeu le plus fun du monde. C'est le jeu le plus fun du monde. C'est le jeu le plus fun du monde. Oh là là, putain, aspiration. Plus boost level 2. Plus. Bon, c'est pas grave. Poussez-vous, Mister Mango. Aïe. C'est ce qui s'appelle manger un mur. Je suis approximativement derrière, et comme dans Mario Kart. T'es sérieux là? T'es sérieux? Je suis grave dans la merde là. Ah, je crois que je suis tout seul. Je suis tout seul avec ma dernière place. Approximativement. Vite, vite. Vite. Utilisons un petit bouton comeback. Je suis tout seul avec ma dernière place là un peu, non? Putain, c'est chaud. Tellement chaud, sa mère. Allez, je vais tous les griller. Poussez-vous, donnez-moi un item. Voilà, merci. Le meilleur item, mon gars. Et de 1. Me lâche pas dans un virage. Me lâche pas dans le connard. Oh non, je vais pas pouvoir passer. Si, c'est bon. Oui! Foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix! Foutez-moi quatrième! Quatrième! Ça, tu vois, c'est tellement bien joué. Quand tu tombes, tu perds pas tes items, sérieux. Mais c'est quoi ce Mario Kart pour les faibles? Oh là là! Oh là là! Tu perds déjà toute ta vitesse, tu perds tout, tu perds ton instinct, tu perds ta vie, tu perds tes pièces! Oh là là, t'es jamais content les gars, moi dans les anciens Mario Kart, quand tu tombais, c'était mieux avant, ouais, c'était tout pourri, c'est pour les casus, c'est les hommes qui mangent leur guac là. Ah ouais, elle est loin à l'époque où je finissais les tournois premiers. Bon après j'ai un peu pas rejoué depuis un an, hein. Pour dire la vérité. Mais ils veulent me tester là les. Il y a les commerciaux chez Webedia, ils jouent à Mario Kart tous les soirs, ils veulent me tester. C'est pourri. Allez, go. Je suis quatrième, ça va. Putain, mais tous ceux qui roulent en F0, hein, ils sont en mode time attack, hein. On doit bien avouer que mes trajectoires ne sont pas très précises, je le confesse. Ah ouais, putain, le mec il fait de l'optimisation. Oh, ça suffit les optimisations. C'est là où tu vois la différence avec les pièces. Non mais s'il te plaît, j'ai plus de pièces que toi. Ma pièce est plus grande que la tienne. Oh non, mais t'es pas sérieux. Je suis obligé de freiner, sinon elle me le fout dans la gueule. Bon, lui, je pense que je joue petite bite, mais je peux pas le rattraper. C'est très mauvais de passer par là. Ok, il m'a raté, pourquoi pas. C'est pas du tout là qu'il faut passer. Ok, c'est parfait, je fais que de la merde. Tout va bien. J'ai pas fait de boost, je crois, en plus. Ok. On va dire que j'ai terminé premier cette map. La musique est méga forte, méga forte, méga forte. Méga forte, elle est méga forte, elle est méga forte. J'entends rien de ce que je fais.
fait chier avec le putain de squid, c'est qu'il t'emmène au large, mec, pour de vrai. Mais putain, mais arrête de vouloir essayer de me péter la gueule, toi. Mais non, mais foutez-moi la paix. Oh là, oh là, ça y est, c'est le moment où les speedrunners sont pas contents parce que un Twitcher de la JVTV sont en train de leur piquer leur première place. Les mecs, c'est des écrits, hein, quand même. Les mecs, dès qu'ils sont pas premiers, tu vois, les mecs, ils sont là, vas-y, je fais le speedrun du jeu. Allez, nique-toi bien. Nique-toi bien. Niquez même vous bien tous. Mais il faut tellement survivre ici. Non, tu vas pas faire ça avec ton étoile, toi je te vois trop arriver. Allez, des champignons, comment je peux les utiliser à bon escient? Comment est-ce qu'on peut utiliser des champignons ce sage à bon escient? Champignons s'il vous plaît. Champignons utilisés à bon escient. Ça c'était utilisé de la merde, c'était ici qu'il faut passer avec les champignons. Bon, c'est pas grave, je vais plutôt prendre un nouvel item. Voilà, qui va me permettre de ne rien faire. Je prends pas la bleue. Je ne prends pas la bleue. Je refuse. Ah, c'est tellement dégueulasse qu'il est en train de lui arriver. Attends. Wesh, moi les speedrunners, je les démonte. Suffit une carapace bleue, une carapace rouge et je leur mets la misère. Wesh, t'as vu? Mon pauvre Manu, putain. Mon pauvre Manu. Tellement le pire jeu de l'histoire. Oh non, tout le monde veut le F0. Oh non, mais oh, les speedrunners ils font chier. Oh là là, putain. Non, mais on était en train de se marrer. Ça y est, tout de suite on arrête, c'est ça. On arrête. Ça y est, dès qu'on s'amuse un peu, on arrête, c'est ça. C'est ça que vous voulez dire. Il suffit que ce soit un peu fun et qu'on se marre, qu'on passe du bon temps et direct, ça y est, allez, on arrête. Pouette, pouette. Je vais déraper. S'il vous plaît. Pensez où? Putain. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, mais n'importe quoi. Moi je joue sans les items, hein. Je joue pas top tier. D'accord, carapace rouge en étant premier, c'est pas mal. Ça c'est zéro. Ok. Bon, les mecs semblent faire leur vie derrière. Très bien, continue. Décor. Ok, mon décor. Il est lent, mais tout le monde s'en branle. Un deuxième item. Oh là là, ça essaye de viser à balles réelles là. S'il vous plaît. Foutez-moi la paix, j'étais premier, j'étais bien. Je m'amusais. Ça a cuté ou pas là? Des pièces, parfait, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas. Il est tout prêt. Bah, je laisse devant, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour le baiser. Ça part tellement loin avec ça. Impossible de viser, impossible de viser.
Oh, peau de banane, c'est tout ce... Oh, mais t'es sérieux, Manu? T'es sérieux, Manu? T'es sérieux? Out from nowhere, H.E. Manu for the first place. Mais t'es sérieux? Mais où est le respect dans tout ça? Attendez, après on fait le 200cc, hein, paniquez pas. Après en 200cc, ça risque d'être moins drôle, hein. Ouais, on va moins rigoler à mon avis. C'est Waluigi. C'est, non, c'est Waluigi, vous savez, c'est Waluigi quand il fait. C'est Waluigi. Il est trop violent. Vous avez le code, hein. Vous pouvez rejoindre les parties, hein. Vous avez le code, hein, juste ici, hein, pour rejoindre les parties. Toutes les cartes courses, il y a changement de lobby. Histoire de croiser un peu tout le monde. Donc actuellement Manu est à 64 points. Arcanke qui vient nous rejoindre 43. Nikouf 45. Et c'est la map où je connais plus. Tut, tut, tut. Arrêtez d'essayer de faire le truc qui va plus vite au départ. Vous savez pas le faire. J'ai raté toutes les pièces. J'ai une banane, je suis dernier. Aïe, je suis poussé. Oh, non. D'accord. Ouais. Je le referai plus, maman, c'est promis. Qui me pique les pièces? Personne. Alors, est-ce que je sais encore prendre le cut? La réponse est non. La réponse est non. C'est merveilleux. Toi non plus, tu sais pas prendre le cut, tiens. Tiens. Pas où faut passer si c'est pas un truc comme ça, genre on s'en bat les steaks du truc. Oh, c'est 0-1, 0-1. Oh là là là. C'est tellement zéro là. Ouais. Ok, I'm good, I'm Jenny B. Good. I'm very good, il faut que je passe ça sans mourir. C'est-à-dire, c'est à peu près impossible. Je m'en bats les coups. Ah, c'est vraiment des coups à perdre une jambe, hein, ces descentes. Hein. Sixième, c'est vraiment bien. Sachant que si t'es... Ah, il faut l'item, hein, parce que c'est toujours les champignons à la fin. Voilà, champignons, toujours ici, c'est un bloc en moins. Alors, est-ce que je sais faire les accélérations? La réponse est non. Non, pas le gros boulet. Non, pas le gros boulet. Enfin, casse-toi. Tu te casses. Ok, c'est parti. Oh. Sixième, c'était de la merde. C'était de la merde. Sixième. Mais je suis quand même quatrième. Eh, 51 points, franchement, c'est honnête, hein, je m'en sors. Pour quelqu'un qui joue jamais, mais qui essaie de se persuader qu'il est quand même un peu fort. Ah. Laissez le public tranquille, d'accord? Foutez la paix à la Wii U. Mais non, mais achetez une Switch, les gars, achetez une Switch. Avec le jeu, les garanties, c'est le meilleur jeu du monde. J'ai fait premier une fois dans ma vie? Non, c'est vrai, j'ai perdu à la dernière frame. Moi j'ai aléatoire. On a changé de lobby. C'est parfait.
Ah, il y a des mecs pas contents hein, dans ce lobby. Il y a des mecs pas contents de ouf dans ce lobby. Makoto Shinkai, le Kame, un petit Thibaut. Thibaut Tevenin probablement. Et Seth Gravija. Beaucoup de représentants bretons hein, ici. Énormément. Ouah, ça joue des cartes schnapps. Ça joue des cartes schnapps. Allez, c'est parti mon gars. Ouais. Ce moment, tu te fais dépasser par une petite mobilette. C'est métal. Je le prends pleine gueule. GG. C'est où? Ok. Well, well, well. Ah non, pas trop. Où suis-je? Où suis-je? Je ne me vois plus. Ici. Parfait. Allez. Passe bien là. Il y a un autre niveau de boost dans Mario Kart 8 Deluxe. Je lâche la carapace, j'aurais peut-être jamais dû, mais c'est pas grave. Oh non, pas une rouge, pas toi. L'accélération merdique. Pas de boulet, pas le pneu. Pas les habits. Ok. Je suis pas d'item man. J'ai pas d'item man, mais ça va. Ça passe quand même. Je suis pas d'item man. Génial. Je suis vraiment tellement content d'avoir cette magnifique pièce. Je vais pouvoir me la carrer là où je pense. Oh non, pas toi. Pas toi la carapace. Allez, oh, ça essaie de rattraper en petite mobilette. Poussez-vous. Madame la mobilette, faut arrêter maintenant. C'est fini. On se calme maintenant les mobilettes. Oh non, non, pas le boulet. Parfait. Face à une suite. Oh putain, mais arrête de me donner des pièces, espèce de sale jeu de merde. Je suis bien jusqu'à ce que tout le monde ait les meilleurs boosts. Ok. Petite carapace sur 20. Viens là mon gars. Baise. Mais malheureusement, je ne prendrai pas le maximum de points étant donné que nous n'étions que 5 dans le lobby. Il faut que je sois 5 pour que j'arrive en premier. Faut qu'il y ait que 5 mecs dans le lobby. T'as vu, il y a 5 mecs dans le lobby, je suis le meilleur. C'est un peu comme d'être le meilleur de ta salle de bain ou de ta ville. Alors les Bretons, on se réveille là un peu. Vous êtes où les Bretons? Est-ce qu'il y a des mecs qui font le versus? Il y a Linkouf, hein. Linkouf très très fort. 53 points. Et Dokusei, un mec de l'Île-de-France, hein, il a déjà 40 points alors qu'il a commencé il n'y a que 10 minutes. Ok, j'adore cette map. Vous savez ce que ça veut dire quand je dis j'adore cette map? Ça veut dire qu'on va mourir en boucle. Voilà, j'espère que je vous ai bien pété les yeux. Ça me dépasse une stand comme ça. Ouf. Il y a poussette, monsieur. Que fait l'arbitre, bordel? Là, c'est par exemple, cette map, elle va complètement être revisitée à partir du moment où il y aura le nouveau boost. Oh, j'ai essayé de récupérer. Hein.
tellement de la merde. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah les gars alors? Bah... Bah les gars? Bah alors les gars? Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Bah alors les gars? Bah qu'est-ce qui se passe à Rashkid? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors? Bah alors les gars? Merde! Putain, j'étais tellement dans ma course. Ah voilà, je me retrouve avec Dragonzen et Ilan. Ils sont tous les deux dans le lobby. Ils sont un petit versus. Ils font leur tournoi un peu. Ils font leur tournoi. Au calme. Là j'ai une musique, j'ai pas de jeu. Nintendo please. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Bon bah voilà, bon, bon on attend. Je suis obligé d'attendre. Je vais attendre qu'ils fassent leur course. C'est terrible. Et mesdames et messieurs, hein, Ilan hein, qui est juste derrière Dragonzen actuellement jouant la villageois avec une moto, un moto à trajectoire fermée. Ouvre puis ferme. Un quart ça ferme puis ça ouvre sur la trajectoire. Très très bonne esquive de la flaque d'huile. Et Ilan repasse premier. Dragonzen juste derrière tente des scooter hopping pour espérer passer. Putain, les qui font la course avec tellement n'importe quoi, ça veut rien dire. Je vous rappelle hein, que le scooter a un avantage, hein, c'est que c'est le meilleur outil pour ceux qui ne savent pas jouer à Mario Kart. Vous ne savez pas jouer à Mario Kart, prenez une moto, hein. C'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Dragonzen repassé premier. Hein. Le challenge évidemment. Oh 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 oh, attention Ilan qui mange malheureusement un tout petit peu le sable ici. Hein. Il aurait attrapé un Bakabou Shiny. Nous confirmons dans l'oreillette. Petite peau de banane hein, en étant deuxième, il ne peut pas avoir non plus de gros items. Par contre il faudrait sniper parce que là ouais, il fait un peu sa vie hein, pour le moment Dragonzen. Il récupère ses items. Oh c'est la carapace rouge. Eh madame et messieurs, en direct Dragonzen qui prend la carapace rouge. Cela dit, Dragonzen n'est toujours pas en tête. Bonne trajectoire utilisée par Ilan qui ne va pas ce coup-ci toucher la flaque. Que je dis, parce que il veut tellement faire de fire hopping et de virages stylés qu'il en perd énormément de temps. Très bien. Victoire de Dragonzen. Victoire de Dragonzen sur une foule en délire. C'est la carte comme cup, j'avoue. Allez, on rejoint le lobby là. Allez, les petits amis. Si on pouvait ne pas être plus que 5 pour que je puisse gagner sans drama, ce serait parfait. Notez que, du coup, dans Mario Kart 8 Deluxe, lorsque vous jouerez offline, vous ne pourrez pas être plus de 8. 8, ça veut dire 2 équipes de 4 qui peut peut-être équilibrer bien mieux le jeu qu'en équipe de 6 à 12. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous ne voyez pas ce que je veux dire, eh bien, c'est la même chose. J'appelle un double item et un niveau de boost supplémentaire. Et juste après, c'est pas de DLC et de 100 CC. Donc là, vraiment, tout le monde peut participer. Et de 100 CC, hein. Personne n'a pu taffer puisqu'il n'y a pas encore le time attack. Mouah ! Oh là là, c'est la Rainbow Wood. Allez, pousse-toi. Oh, je suis tellement premier dans ma vie. Tu vois par exemple ici là. Là le prochain niveau de boost va être très utile. Ok, je me prends un peu de banane, tu permets? Merci. Oh, arrête. On sait tout ce que tu essayes de faire, c'est pas bien. Ah, c'est méchant ça.
Oh, c'est tellement de la merde, cette petite tête de chiasse. Cassez-moi. Non, mais casse-toi. Non. Oh, c'est dommage, ça. On déplore. On déplore une petite carapace sur le petit Link que vous. Que j'ai légèrement poussé. Ah, bah oui, bah c'est ça de pas jouer un gros, hein. C'est dur, hein, dans les cordes. Oh là, tellement, tellement de pression. Regardez, il a une roue dans la gouttière, tel un professionnel de course de côte. Oh là là là, mais quel... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la victoire. La victoire avant tout, la victoire avant tout. Ah, les items sur Wii, ça avait rien à voir. Déjà, dans une partie, tu ne pouvais pas avoir plus de un éclair, il faut le savoir. Donc ça a changé quand même beaucoup. Donc ça a changé énormément. Hein. Ah. Il y avait aussi, bah, pas de la médiapulsion de RNG, mais si je dis pas de conneries, tu pouvais... Il y avait certains items sur Mario Kart Wii que tu pouvais trouver dans à une place donnée, à un endroit donné, t'avais cet item là, tu vois. Ça c'était plutôt cool, parce que tu pouvais savoir quel item tu pouvais avoir à l'avance dans certaines conditions. C'est les vacances, hein, sur la JVTV, je suis actuellement en repos, tournoi Mario Kart 8 et il reste encore un quart d'heure de tournoi. Vous pouvez foncer dessus juste après, c'est le 200cc. Le chat a disparu, il va revenir peut-être un jour. Il y a une mise à jour tous les 30 secondes de l'appli Twitch. C'est bon. 1, 2, ok. Donc là, c'est le stage de Link. Donc ça, c'est le stage DLC. Ok. Bon, j'ai voulu récupérer des pièces et du coup, bah, je suis... Alors, comment récupérer des pièces plus pour que ce soit mieux. On va virer ça, il faut vraiment de... des trucs sérieux là, un moment. Bon, voilà, ça c'était le cut. Raté. Ok, donc je crois que j'ai pris le pire cut de l'histoire de ma vie. C'était merveilleux. Étoile, étoile. Ok, bon, je vais laisser se taper. Gros boost. Ah, moi aussi j'ai une étoile. Vite. Pièce, 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 pièce. Allez, c'est parti. Étoile là-dessus. Pourquoi j'active là? Parce que. Faites pas chier. Aïe, j'ai mal. Oh, oh, je crois que j'ai... What? Attends, je suis sixième. Ah, mais il y a une harmonie qui est dans l'harmonie, là, qui fait sa course toute seule, là, un peu. Hein. J'ai remarqué une harmonie qui fait sa course toute seule. On est trois mecs. Il a le 8, il a le 8, il a le 8, il a le 8. Vas-y, gaspille toutes tes merdes. Fais pas chier. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai boîte matinale, j'ai mal. 9 diams, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Je suis 8ème comme une grosse merde infâme. Et là je prends un cut qui n'arrive pas. Magnifique cut. Comme vous avez remarqué, c'est le meilleur cut de ma vie. Je suis 0. 0 pointé. 0 pointé. Mais bon, j'ai pris un cut pas trop dégueulasse là. Oh, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul. Non, 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 Mathieu, 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 non, Mathieu. Désolé. Pardon. Je pense qu'on peut dire que j'ai été nul.
Je m'excuse, toutes les familles. Pardonnez-moi, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, mais malheureusement, c'est l'échec. Ouais. Encore un stage bizarre. Je suis derrière Linkouf du Nord-Pas-de-Calais. Je suis derrière Linkouf du Nord-Pas-de-Calais. Je suis derrière Linkouf du Nord-Pas-de-Calais. Il reste 10 minutes. Bon, cette course, c'est ma course. Généralement, je fais de très bons résultats sur cette course. C'est où. Oh là, c'est tellement la guerre ouverte. Allez, Linkouf, c'est mon objectif de vie. Mon but, c'est de le tuer. Je n'ai pas d'autre but. Il est juste devant moi en plus. Et j'ai une peau de banane. Avec ça, ça gagne forcément. Oh merde. Oh, il a réussi à éviter quand même. GG. Et voilà, je t'ai poussé, mon gars. Baiser, tiens, avec tu crois que tu fais le show avec ça, toi? Prends ça dans la gueule. Ouais, merci. On fait pas le show ici. Je suis deuxième. Qu'est-ce qui fait son... D'accord, gars. Putain, il est repassé, Linkouf. Non. J'ai fait deux grosses erreurs. Oh, il a pris la carapace. Oh, comme c'est dommage. Ça, c'est parce qu'il fait pas assez attention à ses arrières. Ah, je devrais peut-être le garder, ça. Et je ne le garde pas parce que je suis trop con et j'ai mieux. Chat à verdier. Merde. Fini l'étoile, mec. Merde. Connard de Verdier, t'es con. Verdier, putain. Qu'est-ce que ça branlait? Ah, pas de boulet. Ne fais pas le boulet. Qui est derrière? Approximativement toute la planète. Je suis deuxième, tout va bien. Non. Destiny. Va, retourne jouer à ton sale jeu, là. Laisse Mario Kart. Non. Un item. Et c'est un... Oui. Allez, c'est l'occasion de prouver, Johan Verdier, que tu peux y arriver aussi. Voilà, il s'est raté comme Johan Verdier avant. Non, mais t'es sérieux, là, avec ton rôle? Pour toi, bébé. Et là, Linkouf, il est où, Linkouf? Mon TK, TK est speedrun. Ouais, je peux rien faire. Les speedrunners, je peux pas. J'arrive pas. Là, on joue en casu, donc on n'a pas les bonnes trajectoires, on n'a pas les optimisations. C'est là où tu te rends compte quand même qu'il y a un monde, hein, entre un joueur occasionnel de Mario Kart et des joueurs qui savent vraiment jouer au jeu. Quoi. Il y a un monde. Tu vois, c'est pas que random, ce jeu de chiasse, quand même. Oh merde. Putain, c'est moi qui ai choisi ce stage en aléatoire, alors que c'est le pire stage de tous les temps et que je l'aime pas. Et qu'avec mes roues, c'est une horreur. T'as l'impression d'être squidé toute la partie. Oh là là, Harmony F0. Hein. Moi, je m'en fous, je joue des corps. Hein. Moi, c'est mon kart, mon perso. Je l'aime, je ne l'abandonne pas, moi. Je ne l'abandonne pas. Voilà, tu vois, ça veut faire son time trial. Tu vois, c'est vraiment des mecs du time trial. Ils font toujours leur putain de course en time trial. Mais non, mais t'es pas sérieux, man. Et du coup, ils envisagent pas que... Il y a des mecs, ils ont des items. Et tu vois, là, c'est la guerre, hein. Ils s'en battent les steaks, là, tout ça. Oh là, la peau de banane de merde. Elle va être imbloquable à tous les coups. Ah, bien joué. Ah non, il faut un item. Tellement fait de merde.
c'est pas grave. Je vais en utiliser un pour Mathieu, ça c'est cadeau. Ensuite un deuxième pour Linkouf. Et un troisième pour Linkouf avant qu'il ait l'item. Regardez ça. Oh, oh. Et là je le pousse. Oh, oh, oh. Je suis vraiment le roi des connards quand même. Je déteste cette map. Je déteste cette map. Je déteste cette map. Même les speedrunners détestent cette map. Tout le monde déteste cette map. Je suis vraiment le roi des connards. Oh, ça essaye de revenir, mais c'est dommage. Sans item, les possibilités de comeback sur cette map de merde, on a quasiment pas, je crois. Voilà, item. Oh non, 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 prends pas la banane. Oh là là, j'ai fait de la merde. J'ai tellement fait de la merde, IX. Fait de la merde, IX. Fait de la merde, IX. Ok, pourquoi pas. Il y a un moment, ça va m'arriver dans la gueule ou pas? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ok, donc l'outil speedrun. Ok, donc l'outil speedrun. Donc il y a un mec qui speedrun derrière moi. Je vais peut-être le laisser passer, hein. Oh, j'y crois pas à cette première place. Je crois pas en moi, je crois pas à mon potentiel. Oh là, je crois tellement pas en moi. Yoann Verdier, Lida. Oh, j'ai tellement peur. Oh, ça a l'air de se cartonner derrière. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Non mais putain, mais casse-toi. Merde. Yoann Verdier leader. Mais attention, Yoann Verdier, lui il a pas les, il a pas les champignons de fin. Voilà, j'ai. Oh oui, oui, ils sont cartonnés. Ils sont cartonnés, ça gagne. Les gars, ils sont cartonnés, ça gagne. Ça gagne, ils sont cartonnés. Ah, oh, il essaye de passer, bâtard. Tu m'auras pas. I believe I can fly. Yeah. 88 points, mon gars. Mais barrez-vous. Barrez-vous, moi je veux jouer en training. Je veux jouer en time attack. Eh hey, les gars, on n'est pas en time attack, là c'est la vraie vie. Les mecs qui essayent de faire leurs petits zigouigouis au début, moi je les tamponne, t'entends? Ah, me dis pas que c'est le mode spectateur et qu'ensuite on est baisé. Oh non putain, haché Play, haché Darkel, DR Yacine, haché Manu. 117 points, 123 points, 110 points. Ok. Salut mec, ça va? Oh là 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 là. Pff, oh là là, mais c'est même pas au... Mais oui, oh bah t'as raison, on a le droit de booster ici, c'est autorisé. Oh là 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 là, mais comment fait-il pour se placer comme ça? Incroyable. Juste derrière, hein, Darkel, hein, essaye de rattraper. Alors est-ce qu'il va pouvoir? Oh là, mais tu fais quoi là, mec? Oh là 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 là, ces boosts qui n'ont pas le droit d'être. Sérieux, tu peux passer là? Ok, il prend pas les sauts, évidemment, c'est ce qui est le plus rapide, bien entendu. Il est lancé, il a bouffé? Non, il a pas bouffé. Carapace rouge, ah, ça c'est terrible. C'est terrible, le pauvre. Le pauvre. Oh, il lui en a broyé 3. Il a évité ou pas? Il les a évités, il les a évités, il les a pas évités. Oh, il le cartonne. Oh. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Qui est deuxième du coup? Ah, c'est Play qui est deuxième. Elle est juste derrière. Il a un champignon. Utilisé juste ici. Deuxième champignon. Darkel est pas loin. Oh, ça c'était méga tendu. C'était méga tendu. Est-ce qu'il a récupéré un item? C'est le boomerang. C'est de la merde. Ah, c'est de la merde le boomerang. C'est de la merde le boomerang. Il faut absolument qu'il retire le boomerang. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il est tombé. Ah, c'est la catastrophe. Du coup, Darkel est tout seul. Oh, c'est tellement dur de faire ce boost là. Tu m'étonnes qu'il y ait une différence considérable entre ceux qui font les boosts là où il faut et ceux qui font pas. Ah, GG. GG. Oh, ça joue tellement vénère. Ah, ça joue bien. Il est bien ce jeu quand même. On pourra dire tout ce qu'on veut. On pourra sucer Mario Kart 8, ce vieux jeu de chiasse. Autant qu'on veut. Mario Kart 8, c'est quand même l'aventure. Et en équipe, à mon avis, en 4x4 en équipe, à mon avis, ça va être le meilleur jeu du monde. Allez, il reste plus qu'une minute, ça doit être la dernière course. Et ensuite, après, on passera à un tournoi 200 cc.
Vous y arrivez les gars ou pas? Ouais, c'est bon. Graphiquement quasiment parfait, alors, je dois bien avouer que le jeu est pas en 60 FPS, il est plus aux alentours de 59. C'est aussi pas du vrai 1080 sur Wii U. Ce sera pas du vrai 1080 sur Switch non plus, mais... La résolution sera plus grande quand même sur télé. On aura du vrai 60 FPS. Et surtout la possibilité de jouer avec la Switch dans le SBA. Ok, F0, F0, F0. Oh là là, mais c'est tellement... Regardez-les, ils font des petits sauts de cabrion. Moi, je vais les laisser s'entretuer. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que m'a touché là? Oh, d'accord, il y a des mecs qui se suicident. Oh là là. Ouah. D'accord, je suis 9ème, tout va bien, tout va bien. Sauf que je suis mort. Coucou Minami. Non, laissez passer le détective, s'il vous plaît. Tellement de la merde à ce que j'ai. Ok, bon, essayons de rattraper le retard. Bon, ça, normalement, c'était un cut raté. Voilà. Où est le reste? Ok, il y a 7 gravija devant. Ça essaie de flammer. Je n'ai aucune raison d'utiliser ça ici. Je l'utilise ma. Ok, alors est-ce que c'est malin d'utiliser là? Je ne suis même pas sûr. Étant donné que je connais très mal cette map, je pif. Parfait. Pièce, pièce, pièce. Sac. Disparais pas toi s'il te plaît. Merci. Non mais poussez-vous. Ok, il me faut un item là. Il me faut un item maintenant. L'étoile c'est très bien. Mais t'es sérieux avec ta trajectoire de merde là? Passer devant, parfait. Alexandre à le 8. Allez, poussez où on sent. Oh, ce bon de merde. Lâchez au mauvais moment. Qui es-tu, toi? Tiens, pousse-toi. Ah, c'est vrai que toi aussi, t'es grosse. Oh là là, mais utilise au moins une fois bien l'item dans ta vie, Verdier, s'il te plaît. Ok, tu l'as utilisé comme une merde. Allez, je t'en veux pas. T'es définitivement zéro. Sac à merde, je fais. Quatrième. C'est le moins pire des résultats, on va dire. Ouais, ça va, je prends. Ils sont où là, les speedrunners? Voilà, je sais pas, ils sont loin. Ils sont tellement loin. Ouah, je suis bien. Ça va, tu vois, j'ai pas 100 points, mais. Je termine devant Science B. Dans l'overall. Est une performance médiocre, mais okay. Fin de la première session! Ou pas? Le tournoi désormais fermé. Qui a emporté? Alors, voyons voir le classement de ce tournoi incroyable. Premier tournoi JVTV. Oh, c'est Darkle qui. Avec 145 points. 145 points. Et les mecs, je fais 4ème ex aequo avec Titoufab. Bon, évidemment, j'ai commencé au tout début, étant donné que il y a Manu et Yacine qui ont un tout petit peu commencé 10 minutes après moi et qui ont 3 fois plus de points. Quatrième, c'est honnête, hein, c'est honnête, sur les 19, sur les 21 participants. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Du coup, on va en relancer une pour un peu plus tard, juste après la pause. Merci beaucoup, hein. 52 participants, pardon. 52. 52 participants quand même, waouh, c'est trop stylé. On va créer un autre tournoi. Vous pouvez créer... Oui, bah, il est fini, là, le tournoi, ta mère. Ah, ouais, mais non, attends. Les tournois effacés du serveur ne peuvent pas... Non. Non, attends. En fait, on peut l'éditer. Vous les voyez? Ouais. En fait, on peut l'éditer, c'est ça qu'on peut faire, c'est ça? Ah, ça va être bien. Je vais l'éditer. Voilà, j'y vais... Ah, ouais, on va faire ça. Je l'édite comme ça, ça m'évite de tout casser. GG en tout cas les gars, 150, 200. Dans ce souci, on met pas les DLC pour que tout le monde puisse participer. Il faut quand même avoir terminé le jeu, arrêtez de vous foutre de ma gueule quand même. Chacun pour soi, tous les véhicules, période fixe. Alors, donc on va commencer à 17h30. Voilà, et on va finir
On va finir à la fin, 19. Ah, ce qui me fait chier, 19, c'est... Non, on va commencer à 17h, là, les mecs, pendant la pub, ils vont se gaver. Fait chier qu'il n'y ait pas les minutes exactes. Bon, allez, on le commence tout de suite. Non. Non, ça le fait pas. Ça fait pas, je vais mettre ça comme ça, quand même. Non, pas tous les DLC, parce que on tourne tous les 4 circuits. Ouais, tourne tous les 4 circuits. C'était pas mal. Code Rocky, mondial, tous les niveaux. Okay. Donc là, on est bien. Entrée, un message d'accueil, Nick Trunks. Parfait. Et normalement, j'ai pas changé de truc. 200 CC ce coup-ci. 200 CC. Voilà, les paramètres ont été modifiés. Normalement, le tournoi peut être relancé dans tout de suite. Je crois que ça marche. Tu vois, donc vous conservez vos points hein, en 200 CC. Ce coup-ci, ça va changer un tout petit peu le truc, mais vous conservez vos points. Moi, je fais 5 minutes de pause et ensuite, je reviens dans ce lobby où tout le monde a envie de se tuer. A tout de suite.